Prince Harry et Meghan Markle sont-ils au bord du divorce? Un couple proche du couple donne sa version des faits. Depuis de nombreux mois, des rumeurs circulent au sujet d'un possible divorce entre Meghan Markle et le prince Harry. Un ami du couple sort enfin du silence et il défend les Sussex. Que se passe-t-il chez les Sussex? Après de folles rumeurs sur leur couple, Meghan Markle et le prince Harry seraient-ils au bord du divorce? En effet, les parents d'Archie et de Lily Bay doivent faire face aux gros titres de la presse, qui évoquent une possible séparation. Mais voilà qu'un de leurs amis est venu à leur rescousse, indiquant que toutes ces rumeurs étaient fausses et littéralement inventées. Pourtant, de nombreux éléments posent question. Premièrement, le couple a toujours eu l'habitude de faire la promotion de leur projet à deux. Toutefois, pour l'autobiographie du prince Harry, c'est seul qu'il a donné des interviews. Et pour cause, une source proche du couple a indiqué que la duchesse avait été très méfiante quant à ce projet. Meghan Markle et le prince Harry apparaissent également en désaccord au sujet de leur propre plan de carrière. La duchesse a signé avec une grande agence artistique hollywoodienne. Nous sommes honorés d'annoncer que vous me représente désormais Meghan, la duchesse de Sussex dans tous les domaines. L'agence se concentrera sur le développement de ses entreprises commerciales à travers de multiples facettes de l'agence et de son écosystème plus large, y compris la production cinématographique et télévisuelle, les partenariats de marque et plus encore. Le prince Harry et Meghan Markle vont-ils désormais travailler séparément? Mais le prince Harry n'est pas inclus dans l'accord et un expert de la marque a déclaré qu'il pensait que le couple avait peut-être réalisé qu'il pouvait gagner plus en travaillant sur ses propres projets passionnés mais séparément. S'adressant au Mirror, l'expert de la marque Andy Barr a déclaré « Le romantique en moi dit que c'est le couple qui divise son cheminement de carrière afin de s'engager pleinement dans ses projets passionnés, mais le cynique commercial en moi dit que le couple puissant a réalisé qu'ils peuvent potentiellement gagner plus en divisant et en conquérant ».